Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lexique, l'émission qui partage les mots et les images. Après mûre réflexion, nous avons pensé que le temps était sans doute venu pour chacun d'entre nous de recontextualiser ce mot avec le soutien du 7e art. Vous commencez peut-être à comprendre le principe, 20 cinéphiles, 20 films à travers le temps, les frontières, les modes. Et un défi de taille pour le spectateur assoiffé de culture que vous êtes, les retrouver tous. Vous avez 15 minutes. Profitez-en pour vous demander ce que vous regarderez ce soir. Long gone, what I mean. Long gone, Sam on a bowling green. Now bowling green. Sewing machine. A little kitten sitting. On a sewing machine. Got a name, boy? Virgil Tibbs. Virgil. Well, I don't think we're gonna have any trouble, are we, Virgil? No trouble at all. Oh, you can go now, Sam. Yes, sir. Le mec, il a descendu sa momie, il en avait un mandat, lui. Autrement dit, on peut se faire tuer, mais les assassins, faut pas les réveiller. Voyons, messieurs, laissez-lui le temps de faire son enquête. Faut dire qu'avec les Arabes, il est pas allé chercher bien loin. Bon, absolument, mais je suis absolument d'accord avec monsieur. Moi, j'étais pas au bal l'autre soir, mais on m'a raconté quand le Benzobi, il a emmerdé sa momie, ma colin. Et merde, s'il est aussi fort que ça, pourquoi il les arrête pas tout de suite? Il faut faire confiance à la police. Elle a sûrement ses raisons. Oui, alors vous voulez que je vous l'ai dit, ses raisons, à la police? Quand ils ont affaire à des Arabes, ils les ont comme ça. Ah, ça les flics avec les Arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons. Zéro. Dis merci, Henri. Votre épouse ne vient pas? Ma femme a toujours eu un faible pour les gens de couleur, c'est vrai. Tes enfants sont tellement soignés. Tu aimerais travailler pour moi, être ma bonne? Allô, diable. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit allez au diable. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Dis, tu pourrais pas aller un peu plus vite? Dis donc, toi, qu'est-ce que tu viens de dire à ma femme? J'ai dit aller au... Non, Miss Sophia. Non, Miss Sophia, non! Oh, monsieur le maire! Mais les folles, faites quelque chose! Aidez-moi! Il y a un gars qui s'appelle Homer Wilkes. Il vit à 20 km au nord d'ici. Il venait de reconduire sa copine chez sa maman et il marchait sur la route quand une voiture s'est arrêtée devant lui. Et trois voyous blancs l'ont emmené en balade. Tu vois, ce gars, il avait rien fait. Excepté qu'il était noir. Alors ils l'ont emmené dans une cabane, pareille que celle-ci, dans les bois. Ils ont sorti une lame comme celle-là. Oui, une lame de rasoir ordinaire.
Ils lui ont fait tomber le pantalon. Ils lui ont écarté les cuisses. Ils lui ont tranché les testicules. J'ai rien pu faire. J'ai essayé, mais c'était trop tard. Mon salaud, t'es en état d'arrestation pour meurtre. S'il voyait son gazon aujourd'hui. Qu'est-ce que tous ces Shintok viennent foutre dans ce quartier? Les forces spéciales continuent à mener des opérations en collaboration. Qui dit arme dit crime, la tension monte et monte,
Et la population est de plus en plus exaspérée, on finit par aboutir à des émeutes. Les habitants de la municipalité de Tembisa se sont soulevés pour la troisième nuit consécutive dans le but de chasser les aliens de leur township. Je pense qu'ils devraient réparer leur vaisseau et foutre le camp d'ici. Un virus particulier, hein ? Et le larguer sur les aliens. Il doit s'en aller, je sais pas où, mais en tout cas, il doit s'en aller de là. S'ils étaient dans un autre pays, on pouvait le comprendre, mais ils sont même pas de la même planète que nous. Le gouvernement a décrété le couvre-feu sur l'ensemble du pays. Ces crevettes ont enlevé ma femme. Le terme péjoratif de crevette est réservé aux aliens, et il implique évidemment la notion d'un organisme qui se nourrit d'excréments, qui récupère tous les restes. Vous pouvez pas dire qu'il ressemble pas à ça. C'est exactement ça, il ressemble à des crevettes. Sur la terrasse au-dessus de la porte d'entrée, trois fois la semaine, pendant 50 ans, le vieux Ben a fait la barbe de mon père au rasoir droit. Moi, à la place du vieux Ben, j'y aurais tranché le sifflet à mon père. Et croyez-moi, j'aurais pas mis 50 ans à me décider à le faire. Lui, il l'a pas fait. Pourquoi ? Vous voyez, la science phrénologique est cruciale pour qui veut comprendre ce qui différencie nos deux espèces. Dans le crâne de cet Africain, la région associée à la soumission est plus étendue que chez n'importe quel autre être humain ou espèce sous-humaine sur Terre. G'day, Charlie. You black bastard. You black bastard. Come on, dig on, y'all get it. Come on. Hello, Kanyane. Arab. Mardi, nigga, I'm going to get a phone with you. Who owns this? Me. You got a license? Yeah, I'm going to put a money jungle ball ball. Boy, I'm going to get a What do you want, Charlie? You got a job, and you got a house on my land, with my house, with my job. I know this can be one reason only, one reason. I didn't care where I went. I might have gone to Hong Kong, I might have gone to Timbuktu, I ended up in Paris, on the streets of Paris, with $40 in my pocket on the theory that nothing worse could happen to me there than it already happened to me here. You talk about making it as a writer by yourself. You had to be able then to turn up all the antenna with which you live, because once you turn your back on this society, you may die. You may die. And it's very hard to sit at a typewriter and concentrate on that if you're afraid of the world around you. I'm just going to assume you're all criminals. Because if we're honest, you probably are. So let's hear it. Let's well, fucking hear it. Ray, go ahead. Go ahead. Go ahead. You don't sing that gospel shit? There you go, now you got two of them. What about you? I'm not hearing shit out of you. I don't give a fuck. We need a little fucking help to know how to pray. You are near me. Okay. He's really fucking praying. Coupé. L'ensemble de la rédaction vous remercie pour votre curiosité. Désormais, vous pouvez agir et réagir, vous pouvez commenter et partager, vous pouvez sauter au plafond parce que vous avez cartonné, ou bien sauter sur ce fameux DVD que vous n'avez jamais regardé, juste là, dans la boîte à chaussures empoussiérée.
N'oubliez pas qu'il y a une différence entre ne pas connaître un film et ne pas tenter de le connaître, et surtout prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. La suite au prochain épisode. Allez, bon film.